Dime por qué, por qué te sorprende verme con alguien más. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et Diamant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de point de croix. Nous allons continuer mon joli paysage de chez Vipro Stitch. Je bois un petit coup de café. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a le soleil. Ça fait du bien. Mais par contre, hier, il faisait pas chaud. Enfin, il y avait du soleil, mais le soir, il faisait frais. Hein. Ouais, c'est pas les grandes chaleurs. Mais bon. Moi, je demande pas une calicule à faire 40 degrés. 28, 30, moi, ça me va très bien. Même s'il fait un peu moins en ce moment. Pour finir de travailler, ça va très, très bien. Pardon. C'est sûr que pour les personnes qui sont en vacances, toi qui pleut pas, c'est le principal. Je pousse un peu mon bazar. Je vous montre la jolie toile, mais de toute façon, vous l'avez vue en miniature. C'est cette toile que j'avais eue chez Vip. Ce joli paysage avec les cygnes, les petits cerfs, le pont, les maisons, les arbres, avec des feuilles roses. Magnifique. C'est une 153 par 82 cm. Voilà. Et j'en étais où? Eh bien, j'en étais là. J'ai fait un petit peu quand même. Voilà, ça avance. Hein. Ça avance. Alors, on va la déplier un petit peu. J'essayerai de vous remettre le lien en barre de description. Ah, j'ai un petit bout de fil d'hier que j'ai brodé une autre toile. Alors, qu'allons-nous faire? Elle est très très agréable à broder. Elle n'est pas du tout rêche, vous voyez. Elle est très très souple. Je mets pas de ni de tambour ni de cusnap, rien du tout. Et elle est très agréable à faire. Et ben, je vais faire les symboles rouge et jaune. Par contre, le patron n'est pas très, très, très grand. Mais bon. Les symboles, c'est le numéro... Je ne vois plus. Ah oui, c'est le 33. Non, 32, pardon. C'est un rose très clair. C'est du 819. Le patron, on va lui mettre comme ça. Alors, le 32, j'ai dit. Ouais, c'est une couleur très très pâle. J'ai un gros sachet d'écheveaux, comme ceci. J'espère que vous passez un bon 14 juillet. Nous, le feu d'artifice a été tiré hier et il était magnifique, comme d'habitude. Moi, j'ai un feu d'artifice dans mon village. Il est tiré sur l'étang et il est toujours magnifique et il y a toujours plein de monde. Faire. Je place mon aiguille et après je vous zoome. Voilà. Je plie un petit peu pour avoir de l'aisance. On est bien cadré, oui, et ben c'est parti. Vous aurez sûrement cette vidéo à la fin du mois. Peut-être presque même début août. Hop.
L'étoile, elle est vraiment très très agréable. Elle n'a rien à voir avec, vous vous rappelez, j'avais fait la comparaison des deux, mais je crois que l'autre y est plus sur le site. Mais la Mona Lisa, elle est vraiment très très bien. La conversion est très très belle. Parce que la conversion de Ichu, c'était vraiment. Un truc là-bas, c'est en train de se placer. Pendant mes vacances, je vais m'organiser pour vous tourner des vidéos parce que après j'aurai pas trop le temps de filmer comme on va faire des activités et tout ça, donc je vais essayer de m'organiser pour filmer. Par exemple, une journée, je me mets, si je fais rien, je me mets à filmer 2-3 vidéos. Je vais vous tourner la vidéo des bougies d'action. Ça, c'est sûr, pendant mes vacances. Ça peut être très sympa. J'arrête pas de le dire et j'ai très envie de la faire. Je vais continuer aussi ma broderie perlée. Ça, en fait, il faut être bien installé, bien organisé. C'est pas comme le point de croix, hop, on sort le point de croix, on fait quelques points. Là, il faut vraiment que je sois à la table avec mes petites barquettes bien, bien installées. Pourquoi pas vous faire aussi une ou deux vidéos j'allais pas, dehors, en extérieur. Si je fais des choses sympas pendant mes vacances, pourquoi pas vous les filmer et vous mettre dans une petite vidéo si ça vous intéresse. Hier, j'ai été au marché. Peut-être après cette vidéo, je vous mettrai 1 minute de vidéo. J'ai filmé les Big Bang. C'est la fête franco-écossaise d'une ville à 10 km de chez moi. On aime beaucoup ça avec mon conjoint. Et je pense que je vous mettrai une petite vidéo à la fin de celle-ci. On aime beaucoup ça. Écoutez, ça, c'est. Ça me prend aux tripes, comme on dit. Et j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup partir en Écosse. Alors on va voir avec les petits sous-sous qu'on va récolter au mariage, on ne sait pas, on ne sait jamais, pourquoi pas se faire un voyage en Écosse, et on aimerait beaucoup. Mais de toute façon, c'est dans nos projets de faire un voyage en Écosse. Quand, comment, pour l'instant, c'est encore indéfini, mais c'est un de nos rêves à tous les deux. Marcher dans les pas des Outlanders et compagnie par là. J'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque. Et mon mari aime beaucoup ce pays pour la pêche et la nature, et ouais. Donc, je pense que je vous mettrai un bout de vidéo à la fin de celle-ci. Alors, bon, si vous voulez pas regarder cette vidéo en entier, vous pouvez passer et aller jusqu'au passage. Hein. Bah oui, c'était pas prévu et. Je faisais mon petit bazar, j'ai fait une vidéo, j'étais prête, j'étais lavée, je sortais de la douche. Bon, prête, j'étais pas maquillée, rien, mais j'étais, voilà. Je bois mon petit café, il revient, il me dit, tu veux pas aller au marché? Je réponds, bah, si, puis moi je m'en rappelais plus parce que cette année, en fait, il n'y a pas vraiment la fête franco-écossaise, c'est juste une fête comme ça, une petite fête, parce que comme il y a les JO, ils n'ont pas fait la fête franco-écossaise cette année. Mais ils ont quand même fait de. Il y avait
des jeux, des petits exposants, il y avait voilà. Mais pas comme d'habitude, le grand show, quoi. C'était vraiment. D'habitude, c'est sur 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Et Mika, enfin, mon mari, oui, Mika, voilà, me dit, dommage, hein, parce que cette année, on n'aurait pas eu chaud. Je dis oui. Parce que d'habitude, il fait tout le temps chaud. C'est tout le temps pour le 14 juillet. Il fait tout le temps une chaleur l'année dernière. Pouh, on cherchait le frais. Là, cette année, on aurait été bien. J'ai fini le film. Je vais en reprendre un. Je vais continuer dans cette couleur. J'attends un gros partenariat avec VIP. J'ai très très hâte de le recevoir et de vous faire les vidéos. Ouais, je suis impatiente. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait un schmilblick. Un schmilibibic. Bon, je vais couper, c'est pas grave. Ouais, moi je remercie infiniment Ada et la société VIP Cross Stitch pour leur confiance. J'ai vraiment des toiles magnifiques. Je peux choisir ce que je veux et je remercie infiniment Ada. Et vous aussi qui regardez mes vidéos, qui me soutenez, qui me mettez des commentaires. Plus touchants les uns que les autres, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment des amours. J'aime beaucoup vous lire. Je me pose, des fois je suis dans la voiture ou dans mon canapé et je me dis tiens, je vais checker des commentaires. J'ai eu quelques nouveaux abonnés, des personnes qui sont nouvelles dans le point de croix. Ça me touche beaucoup. Merci à vous, c'est sympa. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je suis dans mes vidéos comme je suis dans la vie. Enfin, je pense. Bon, je crie peut-être un peu plus dans la vraie vie. Mon mari serait là, il dirait. Mais bon, je vais pas crier dans les vidéos, je suis une râleuse hein, aussi. Comme il dit, ma femme a râle, c'est que tout va bien. Voilà. Mais bon, il râle aussi, hein, faut pas croire. Mais on n'a pas les mêmes caractères. Moi, je suis quand même plus posée que lui. Lui, c'est un impulsif, ça part au quart de tour. Encore, ça va un peu mieux avec l'âge, mais des fois, c'est fou. Il n'est pas patient du tout. Par contre, il a une patience. Sa passion, lui, c'est la pêche. Il a une patience pour la pêche. C'est hallucinant. J'aurais jamais cru ça parce que ça va faire 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Et ça va faire 16 ans qu'il pêche. Quand il m'a dit qu'il se mettra à la pêche, moi j'ai jamais cru. Hein. Je me suis dit, oh, ça va durer un temps, une année, et puis il va arrêter. Parce que moi, la pêche, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je connais ça par cœur. J'ai une famille de pêcheurs, aussi bien du côté de ma maman que de mon papa. Donc, et quand il m'a dit qu'il allait se mettre à la pêche, j'ai dit, oh lolo. Ça va jamais durer, et ben si. Et c'est vraiment sa passion, puisqu'il s'est tatoué une carpe sur le bras. Donc on a chacun notre passion. Et moi, ma passion, moi, j'y vrai que j'y vais pas souvent. Enfin, il aimerait que j'y vienne plus. C'est vrai que j'y vais pas trop à la pêche. Il dit, tu peux emmener ton point de croix et venir avec moi. C'est vrai, il n'a pas tort. Mais moi, j'aime tellement rester dans ma maison. Quand on fait rien, j'aime rester chez moi, tranquille. Avant, non.
Avant, j'aurais dit oui, on sort, on fait ci, on fait ça. Maintenant, j'aime beaucoup rester chez moi, dans mon environnement, tranquille, avec mes petites affaires. Ouais. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça. Enfin, je sais pas. J'aime me promener, hein, me balader, faire des activités, voilà. Mais si par exemple aujourd'hui il me dit on fait rien, on reste à la maison, moi ça me dérange pas du tout. Alors, on va peut-être changer un petit peu de couleur. On va faire les carrés noirs avec le trait blanc. Et c'est du 823. Ah, c'est bizarre, il y a du... Ah, c'est pour faire les ombrages. C'est du bleu. Ça fait bizarre. Là, c'est pour faire les ombrages ici, là. C'est 823. Et j'ai dit quoi, le numéro ? C'est le 33. C'est pour faire l'ombrage de la branche. Et des fois, ils mettent des couleurs pour faire les ombrages, pour faire de la lumière, pour faire les jeux de couleurs. Ça me surprend toujours. Hop. C'est pour faire juste ici les points qui sont là. Je sais pas si vous allez voir. Oui, là, vous voyez bien. Oui, mon mari est un carpiste. Je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon, en vidéo. Il va aussi au carnassier. Mais c'est un carpiste avant tout. Il fait des enduros. Vraiment sa passion, c'est... Moi, je sais que ma passion prend aussi beaucoup de place. Ah, je vais devoir vous laisser parce que j'ai de la visite. Donc, je vous reprendrai la vidéo plus tard. Alors voilà, on se retrouve. Vous voyez, j'ai changé d'endroit. Nous sommes en fin d'après-midi, toujours la même journée. J'ai fini les points. Je vous montre, je vais vous zoomer. Là, on était dans les points bleus. Et j'ai fait ceci, et j'ai fait un peu là, et j'ai fermé quelques points. Voilà, on va refaire un fil ensemble avant de terminer cette vidéo. J'ai été interrompue, j'ai mes beaux-parents qui sont passés. Donc, voilà. Alors, je vais faire les traits bleus. Et les traits bleus, c'est le numéro 2. Ouais, c'est du violet. Et c'est du violet parme, comme ceci. Alors, on va prendre un fil. Pour vous, ça change rien la vidéo. Pour moi, ça fait bizarre. J'arrive pas. Voilà. Hop. Numéro 2. Est toujours très agréable à faire ce modèle. Les points, enfin, la toile, elle est souple, comme je vous disais au début de la vidéo. J'ai toujours mon petit code promo de 10% avec Vanesse10 sur le site de Vip Cross Stitch si cela vous intéresse. Alors, on va bien se placer. Je regarde que je sois bien. Oui, impeccable. Voilà. Oui, je comprends pas trop qu'il y a du violet parce que je vais vous remontrer l'image. On n'a pas de violet. Mais en fait, c'est pour faire les ombrages de l'arbre. À ce que je comprends. Voilà.
Mais bon, comme ça peut être un paysage féerique, donc c'est pas trop gênant. Puis elle est très 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 bien imprimée. Alors là, elle est bloc. On dirait qu'elle est confetti, mais elle est bloc. Ah, vous voyez là les triangles violets, mais là on prend le fil, on fait là, on descend, hop, 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 ça se suit. Hein. C'est très très facile à faire. Il n'y a que du point de croix, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de. Voilà. Je sais qu'elle a suscité beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont. Et je crois qu'on est plusieurs à avoir fait le comparatif, il me semble, sans me tromper. Je ne sais pas combien elle a duré la première partie. Donc, j'en ai aucune idée. Ça sera la surprise pour vous. Et pour moi, quand je ferai le montage de cette vidéo. Fermer mon fil. Alors, mon ciseau, il est là. J'ai tout préparé, je me suis tout bien installé avant de vous filmer. Hop. Que je me suis dit, mince, il faut bien que je la termine cette vidéo. Elle va pas traîner comme ça dans mon téléphone. J'y allais. J'ai rien à faire. Je vais terminer la vidéo. Comme ça, après, si je veux vous en tourner une autre, je peux vous en tourner une autre. Pourquoi pas? Voilà, comme ça, on aurait fait un petit fil. Ouais, j'ai bien travaillé hein, pendant que je vais vous montrer pendant que j'ai éteint la caméra. Enfin, pas trop le matin. J'ai travaillé là tout à l'heure. Ça faisait un peu plus d'une heure que j'étais dessus. Attendez, je vous pique mon aiguille pour pas la perdre. J'ai fait du bleu ici. J'ai fait du bleu ici pour finir le fil. Vous voyez, j'avais fait ça. Je suis descendue ici, finir un fil là, là et là. J'ai fait là, ici, là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Cette magnifique toile. Voilà le joli modèle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre à la suite de cette vidéo un petit extrait de la musique qu'on a été voir avec mon concubin hier. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!